bisika ebele bozolanda biso mokolo mwalelo tolobi matondi mingi na batelespectateurs nyonso ya Congo Live Television ba oyo bakabele biso confiance na bango lisusu enfin ke tokabela bango basango ya makambo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo bakongole bisika bozali tokabele bino mbote bozali na diaspora bozali na kati ya Congo bozali na mboka bapaya na bamboka ebele en gros bino nyonso tokabele bino basango koyebisa bino boye elamu ya kolanda manaka na biso ya sika na makambo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso République démocratique du Congo Congo Live Television chaîne Abino et Kabilaka Bino Basango, ce qui vous offre les informations sur la situation en République démocratique du Congo. On parlera de la politique, on parle ici de la diplomatie, on parle ici de la guerre, on parle de plusieurs sujets. Enfin, que même si vous êtes dans la diaspora, que vous soyez quand même informés de tout ce qui se passe dans notre pays. Alors aujourd'hui, nous allons marteler sur les processus de Luanda. Les processus de Luanda sera notre sujet aujourd'hui. Bien qu'il y a un calme précaire qui semble régner au niveau de Luanda, nous allons y revenir. C'est-à-dire, tout ce qui est la pour nini o ezo avancé au niveau de Luanda, pour que tout le processus ezo kende nenge nini. Tout ça va penser sango, tout ça a droit, il y a kende ko luke la bino. Bino ba téléspectateur na biso ba information tolu ke la bino ba information ya bien ya makambo o ezo leka na kati ya mboka na biso. La République démocratique du Congo s'est engagée na poursuite diplomatique wana tozali wapilelo. La République démocratique du Congo s'est engagée à mettre fin la guerre d'agression rwandaise na ba volé ebele kozana ba volé médiatique na ba volé diplomatique na ba volé militaire mais mingi volet diplomatique ezo mona na ki yango nde bakonzi bazo ko prioriser oyo basala eke basilisa bitumba. Où est-ce que on en est aujourd'hui? Raison pour laquelle nous nous sommes dit nous devons revenir la fin de la semaine aujourd'hui, nous devons revenir sur la situation de Luanda. Pour que tout comprendre, ni les autres qui sont à Luanda, qu'est-ce qui se passe au niveau de Luanda? Qu'est-ce qui nous est caché? Quelle est la vérité? Oyo te ébite. Quelle est la page noire? Oyo, les lobbyso, tozoye batte na processus ya Luanda. Qu'est-ce qu'il faut qu'on note aujourd'hui sur les processus de Luanda? Qu'est-ce qu'il faut savoir sur les processus de Luanda? S'il faudra noter un mot, qu'est-ce qu'il faut dire au jour d'aujourd'hui? Que pensent les autorités congolaises? Que pensent les Rwandais? Que pensent l'Ouganda? Que pas l'Ouganda, parce que l'Ouganda ne participe pas dans ces processus. Que pensent les Luanda? C'est ce que je voulais dire. Que pensent les Luanda qui est le médiateur entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda? Pensez-vous qu'on aura une réponse aussi favorable qui pourra répondre vis-à-vis des atrocités qui ont pris plus de 30 ans à l'est de la République démocratique du Congo avec le processus de Luanda? C'est une première question. Deuxième question. Estimez-vous que le processus de Luanda sera aussi à mesure d'imposer à Paul Kagame, le président rwandais, de retirer ses troupes sur le sol congolais? C'est la deuxième question. Pour la première partie, c'est-à-dire au premier degré, que pense la République démocratique du Congo? Après, on va prendre que pensent les Rwandais dans le même processus de Luanda. Où est-ce que ça bloque dans le même processus de Luanda? Et que pensent les Rwandais? Luanda yango moko bazo kanisanini. Que pensent les analystes indépendants bazolo banini? La réalité des choses est zanine. Qu'est-ce qui nous est caché dans les processus de Luanda? Pourquoi bazo bazali kotia ebele ebele processus ya paix? Processus ya Luanda. Pourquoi est-ce que bazo pesa yango pe valeur moko ya likolo? Pourquoi est-ce que bazo passer directement na ba action te tel que souhaitent certains Congolais bazala bao ya ba diaspora? Au bazo linga bitumba e banane malamoko. Que pense d'abord le gouvernement congolais à ce sujet? Donc, Togoloba, gouvernement congolais, gouvernement rwandais, mais également Togolobelape, parti, il y a Luanda. Luanda, Bango Bazaba médiateur, Joao Lorenzo, le président angolais, Ye Azo Kanisanini, Nakati Alikambo, Oezo Leka, Nakati à République démocratique du Congo. Lisons ensemble la réaction du porte-parole du gouvernement congolais, Monsieur Patrick Muyaya, sur RFI. Je crois que le ministre de la RDC, Minafet, et les équipes de la République démocratique du Congo vont se rendre
avec la bonne volonté qu'ils ont exprimée dès le début, pour que nous puissions aboutir à un plat qui concernera à la fois la concomitance et la simultanéité de deux opérations, a déclaré Patrick Muyaya, ministre congolais de la communication, médias et porte-parole du gouvernement. Selon Patrick Muyaya, la délégation congolaise est entendue à Luanda pour poursuivre les pourparlers ce samedi 12 octobre 2024. Lelo, aujourd'hui, la délégation venue de la RDC, ma délégation est belle, venue de la RDC, ma délégation à Rwanda, ma équipe, il y a Rwanda, na RDC, Lelo, et Kozala, na niveau, il y a Luanda. Selon le ministre, selon le porte-parole, il y a gouvernement congolais, il fait savoir que la RDC, ils ont continué pour parler, ils ont montré dès le début sa bonne volonté, il y a que ça là, Makambo, il y a que faciliter tâche. Kinshasa persiste et signe sur la conditionnalité de la concomitance et la simultanéité des opérations de neutralisation de ZEF de l'air et les retraits des troupes rwandaises sur le sol congolais. Là, nous sommes encore dans les rubriques, dans les rubriques qui concernent la RDC, c'est-à-dire ces rubriques-là qui concernent la RDC. La rubrique Aliboso, parmi les rubriques de la RDC, que la RDC doit remplir, ma rubrique Wana, rubrique Aliboso et Zali, ma Sengi RDC est présenté plat à neutralisation des F de l'heure. La RDC dit que ce n'est pas un problème. Nous allons neutraliser les F de l'air. Plat à Ngoyo, Bakabeli Rwanda. C'est le Rwanda qui avait commencé à demander cela. Non, s'ils veulent que moi je me retire, ils font d'abord qu'ils me présentent un plat de neutralisation, des F de l'air. Ma PCE, plat à Ngoyo. Les F de l'air, ils ont prétendu, Bazaba F de l'air, plat à Ngoyo. Revenant après, la RDC dit non, je ne vais pas aussi te présenter un plan sans que tu ne retires pas aussi tes troupes sur le sol congolais. Rwanda et Tikali Kimia. Rwanda, tu dois retirer tes hommes. Rwanda, tu dois retirer tes troupes. Kimia, Kara. La RDC dit, tu continues bongoté. Tu continues bongoté. Nous n'allons pas continuer ainsi. Il faut que ce que tu m'exiges, je le fais, et que ce que je t'exige, tu le fasses aussi. C'est ainsi que vous allez écouter. Les Rwandais demandent les plats de neutralisation. La RDC demande aussi les retraits des troupes rwandaises sur le sol congolais. Ma troupe rwandaise, voilà. Rwandais, obimisa bangote. Est-ce qu'on peut dire que c'est le début du problème dans le processus de Rwanda? Déjà, lorsqu'il y a une partie, il y a deux parties, où ils ont eu canaté. Certes, il y a eu canaté, mais moko azo ton santé, où ils ont eu loba. Et c'est par là que vous allez écouter la RDC accuse les Rwanda de ne pas respecter, de violer même le processus de Rwanda. Et les Rwanda revient en Sego pour dire que la RDC est en train de violer le processus de Rwanda. Qui est en train de violer ce processus? Là, nous sommes encore sur le côté RDC. Sur le côté de la RDC. C'est là où nous en sommes encore. La RDC manifeste, selon son porte-parole, il y a gouvernement naï. La RDC manifeste sa bonne foi, sa bonne volonté de vouloir soutenir le médiateur afin que le conflit est ici là. Parce que la RDC ne gagne rien dans ce conflit. D'ailleurs, c'est elle qui est en train de perdre chaque jour, que ce soit Nabavouanios. Pillage à minerai, torture à ma congolais, tuerie à ma congolais. C'est la RDC qui est en train de perdre aujourd'hui. Le début du problème, manifesté par
volonté oyo ya Rwanda eza te de vouloir bien rétablir la paix na kati ya région. Parce que si la RDC, déjà le fait que la RDC est touchée, c'est toute la région qui est touchée. Vous allez partir au niveau de Burundi. De leur part, il faut savoir que les Rwandais maintiennent aussi les problèmes toujours au niveau de Burundi. C'est-à-dire, les Rwandais est une menace, ou bien Paul Kagame est une menace pour même le Burundi. Ça, c'est au niveau de Burundi, là où ils font savoir cela. Raison pour laquelle ils ont même coupé tout ce qu'ils avaient en termes de collaboration, que ce soit de collaboration militaire, politique. Là, le Burundi a tout fermé vis-à-vis du Rwanda. Que pensent les Rwandais maintenant? C'est la RDC, au niveau de la RDC, vous aviez entendu ce qu'exige la RDC. Que pensent les Rwandais? Selon plusieurs sources, Nakati Ali Kambouana, Bazoko déclaré le lo que Rwanda yé, Bisika Azali, Azo exige Boé, va neutraliser d'abord les FDLR. Après avoir neutralisé les FDLR, c'est ainsi qu'il va retirer ses troupes au sol. Ça, c'est selon plusieurs sources. Nakati Yaba, ba processus wana, ba source mon coin discrète, oyezo loba. Nassé. Les Rwandais sont en train d'exiger d'abord qu'on neutralise les FDLR, au-delà de présenter le plan de neutralisation. Ba pesaye, ba FDLR, ba neutralise, ba zongi, selaye, bango. Et après les avoir neutralisés, c'est comme ça que yé Rwanda akoya kopimisa batunaye sur le sol congolais. La même question on a toqué comment la société civile, de lobby société civile et yokami que Rwanda ont exigé neutralisation dans nous yabaf de leur et yokami que les Rwandais seraient en train d'exiger que on va neutraliser dans les FDL et après que le Rwanda va retirer ses troupes au sol. La société civile répond ceci: si le gouvernement congolais ose un seul instant de neutraliser les FDLR, le représenter au Rwanda, comme le Rwanda fait savoir que c'est une menace, pendant que plusieurs personnes estiment que les FDLR n'existent plus. Et s'ils existaient, ils ne seraient pas aussi une menace forte comme le prétend président Kagame. Balobina Bangoki est causé la erreur monumentale. Parce que après les avoir neutralisés, le Rwanda aura ce qu'il voulait et il ne va plus se retirer. Selon Bango, Balobi, processus à Rwanda, selon la société civile. Et c'est et que la mienne, et ça l'a poursuivi, mettons engagé Mingi Mingi Bitumba sur le ligne des fronts. Et ça pensé, et ça l'écanissé à l'Iboso, il y a battu la société civile. Rwanda exigé, va neutraliser Inanu, va FDLR. Après, Ndebakoya Kobima, souk, donc après, une chose que plusieurs estiment que si le gouvernement est quoi na baire Rwanda, et cause la erreur moko monumentale, comme le gouvernement avait décidé de ne plus mettre en place ou de ne jamais mettre en place, même un seul jour, forme moko ya discussion avec le rebelle du M23, c'est de la même façon que le gouvernement doit être ferme dans ce processus de Luanda. Et que Kagame sent aujourd'hui qu'il est vraiment menacé par la RDC. Du côté du Rwanda, vous écoutez les exigences. Balobi, non, comme déjà à niveau Yawana, non, Bissou et Sengel Bon et Trésin Avor, Oyo, tout ça, les mangos. Vous pensez l'idée? Comment vous trouvez l'idée? Yakagame, est-ce qu'ils ont vraiment idée Oyo, Alingi, Asunga, Bitumba et Sila, Nakatia région? Que pense maintenant Batu Oyo, Bazaliko, de partager la République démocratique du Congo et la République du Rwanda? Là, on parle de Luanda, on parle de l'Angola.
Angola avait promis de présenter un plan, il y a processus, il y a paix, que la RDC et le Rwanda devraient normalement suivre. Mais déjà, il y a des signaux. Les signaux sont les autres samatés. Et c'est même par là où certaines personnes mettent en doute le processus de Rwanda. À l'objet, il y a eu cessez-le-feu qui est en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Mais le cessez-le-feu n'est pas respecté. Le fameux cessez-le-feu est piétiné plus qu'un torchon par les rebelles du M23. Le cessez-le-feu n'a jamais vu jour parce qu'il n'a jamais été respecté. Et comment est-ce que le cessez-le-feu n'est pas respecté par le M23 qui sont soutenus par les Rwandais? Qu'est-ce que signifie que le fait que cela pourra revenir après ma décision Oyo, Rwanda et Kozoua et Kozala Oyo et Kotinda, Rwanda, Abimisa, ses troupes, c'est le sol congolais. Et c'est même par là où vous écouterez un groupe des analystes indépendants déclarer qu'il est important de faire la guerre directe avec la République du Rwanda. Le président avait déclaré que nous ne sommes pas loin du Rwanda, certes, nous ne sommes pas loin du Rwanda. À partir de Goma, on peut attaquer le Rwanda. À partir de Goma, on peut faire une guerre directe avec le Rwanda. Est-ce que vous faites encore foi, vous qui nous suivez, en écoutant parler, vous faites foi aujourd'hui dans ma Kamboya Rwanda? C'est prévu que Rwanda et Yamba, le président américain, et vous le savez bien qu'il ne peut pas rentrer sans aussi parler de ce conflit qui oppose la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Il ne peut pas rentrer sans parler de cela. C'est-à-dire, il est important aujourd'hui que les Congolais se prennent en charge. Il est important aujourd'hui que les Congolais soient là. Bitumba basala biso. Bisikanini biso to telemeli lelo. Quelle est la réflexion que nous sommes en train de projeter? Quel est le projet autozana ngolelo sur le plan de défense yambo kanabiso? Les personnes vont passer, les institutions vont rester. Qu'est-ce que ces personnes font pour l'amélioration de ces institutions? C'est aussi une des plus grandes questions. Il y a deux ministres, il y a 54 ministres. Le temps que je suis en train de citer, il y a 54 ministres. Plus madame la première ministre Judith Suminwa qui fait 55 membres du gouvernement Suminwa. Mais dans les 54, nous n'avons même pas dû ce qui se font entendre sur le terrain. Parce que se faire entendre, ce n'est pas les déclarations sur le média. Se faire entendre, c'est être visible sur le terrain. Lorsqu'on parle de ton secteur, nous sentons qu'il y a vraiment du changement, qu'il y a un homme à la tête du ministère. Mais est-ce le cas aujourd'hui? Sans vexer quelqu'un, sans citer les noms de quelqu'un, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Pouvons-nous parler des 54 ministères en récit aujourd'hui? Ou bien chacun est en train de se plaindre? Ba voyage na ba voyage. Tozo yo ka oyo koto oyo kuna. Après Azongi, Asalaki, Makelele. Na réseaux sociaux. Et après, il n'y a pas les résultats. Ba ministère est belé. Ministère agriculture. Ministère à transport. Ministère en genre. Ministère à jeunesse. Ba ministère est belé. Et 54 membres du gouvernement. Combien d'entre ces ministres se font entendre? Donc ça, l'expertise, voilà. Nous allons essayer ça un jour. Je passe un peu dans les avenues, dans les quartiers à Goma, à Bukavu, à Lubumbashi, pour savoir est-ce qu'il y a un Congolais qui peut nous citer 10 noms de ministres en RDC. 10 noms.
parmi les 54, 10. Tout ça l'expérience, on essaiera de le faire pour comprendre qu'il y a certains qui ne sont même pas connus en RDC pendant qu'ils sont des ministres en République démocratique du Congo. Nous sommes donc à la fin de cette émission, les dames et messieurs. Nous vous disons merci de votre fidélité. Merci de nous avoir choisis. Merci d'aimer Congo Live Télévision. La seule chaîne au Congo qui vous met au parfum de l'actualité à Makambo. Nyonso yezo le kalanka tiambo kanabiso. Vous êtes partout. Tokabila rabino basango ya Makambo yezo le kalelo. Zaika processus à Luanda. Luanda exige qu'il va neutraliser Namba FDLR après revenir pour lui demander de retirer ses troupes sur le sol congolais. Que pensez-vous de cela? C'est une autre question. Vous avez le droit de mentionner ce que vous pensez dans la barre de commentaires. Nous vous disons merci, nous vous souhaitons une bonne journée et on se promet de se retrouver à la prochaine pour un autre numéro, un autre rendez-vous pour d'autres actualités.